Bonjour, je m'appelle Aurel et je travaille à la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ou CCSN. Si une entreprise veut construire, modifier, exploiter ou déclasser une installation nucléaire au Canada, elle doit d'abord soumettre une demande de permis officiel à la CCSN. Leur demande est examinée par le personnel qui fait des recommandations à la Commission, un tribunal indépendant qui rend des décisions éclairées et transparentes sur l'octroi de permis aux principales installations et activités nucléaires au Canada. Plusieurs facteurs sont évalués, comme la sûreté et la conception du projet, ainsi que les répercussions potentielles sur l'environnement ou la santé. Une audience publique est habituellement organisée quand une demande porte sur une grande installation nucléaire. Quand vous imaginez une audience, pensez à un tribunal où des preuves sont présentées et des questions posées. La CCSN publie un avis sur son site Web pour informer le public qu'une audience va avoir lieu. L'avis contient une information sur l'audience et sur la façon dont la population peut y participer. La CCSN publie aussi des avis dans des journaux locaux pour que le public soit au courant des audiences à venir. Pour participer, vous pouvez remplir un formulaire en ligne ou nous l'envoyer par courriel. Vous pouvez aussi nous appeler. Vous devez soumettre vos commentaires par écrit avant la date limite. Expliquez comment l'activité ou le projet vous touche et indiquez quelle information ou expertise vous possédez qui aidera la Commission à prendre une décision. Vous pourriez avoir l'occasion de faire une présentation orale basée sur vos principaux commentaires écrits durant l'audience. Toute l'information que vous nous soumettez est accessible au public. Les audiences sont diffusées en direct sur le Web et ensuite affichées sur notre site. La CCSN offre également du financement pour aider les membres du public à participer à ces audiences. À la fin de l'audience publique, la Commission examine toute l'information qu'elle a obtenue avant de prendre une décision. Lorsque la Commission délivre ou modifie un permis, le personnel de la CCSN fait des inspections, des vérifications et utilise d'autres outils pour veiller à ce que le titulaire respecte toutes les obligations réglementaires liées à son permis. Pour en savoir plus, visitez-nous en ligne.